Navy KPM. Wow. Ah, c'est grande ta maison. Oh oui, oui, merci, merci. Qu'est-ce que tu cherches, Hafiz? Oh là là, je cherche mon carnet. Tu cherches ton carnet? Oh, oui. Belle, hein? Je suis fatiguée. Ah, t'es fatiguée, c'est toi? C'est ton carnet? Oh. Ah oui, c'est mon carnet. Ah, oui. D'accord, c'est bien. Merci. Alors, voilà. Merci. Allez. Assalamualaikum et bonjour. Bienvenue à Didik TV KPM avec moi Hazrina Kasim. Aujourd'hui, on va apprendre le français avec Madame Husna et Monsieur Hafiz. Le sujet est ma maison. Hai, apa khabar semua? Bertemu kembali dalam slot menengah rendah. Hari ini kita akan memahirkan diri kita dalam bahasa Perancis bersama dengan Madame Husna. Ini dia, saya nak perkenalkan sekali lagi. Selamat datang Madam Husna Rahmat dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Serdang Seri Kembangan Selangor, dan juga Mesir Muhammad Hafiz Lutfi Amir dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dengkil, Dengkil Selangor. Bonjour Madam Mesir. Bonjour Hazrina. Bonjour. Okey, dan pastinya hari ini kita ada satu topik yang sangat istimewa. Le sujet est ma maison. Ma maison, oui, okay, c'est ça. Boleh kita terangkan apa topiknya? Donc, aujourd'hui, pour le sujet, c'est sur ma maison. C'est pour comprendre, un vocabulaire relatif, à l'environnement proche. Donc, l'objectif est de avoir des vocabulaires sur les pièces, la maison, et après, comment se localiser dans l'espace. Okay, so hari ini kita akan belajar macam mana kita nak tahu setiap ruang di rumah itu nama dia apa dan dia punya tata bahasanya macam mana, kedudukan tempat barang-barang itu. Baiklah. Dan pastinya juga hari ini adalah satu pembelajaran yang menyeronokkan. Tapi sebelum itu, saya ingin jemput Madam Husna dan juga Mesir Hafiz untuk sama-sama kita mengamalkan SOP walaupun hanya berada di dalam studio, tapi masih lagi perlu mensanitasi tangan dan pastikan anda di rumah juga sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan untuk sentiasa memakai pelitup muka, mencuci tangan sekerap yang mungkin atau mensanitasi tangan anda dengan gel pembasmi kuman, dan pastikan ada penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan yang menariknya hari ini ya, Monsieur Hafiz dan juga Madam Husna, kita bukan saja bertiga di dalam studio ini. Kita juga turut ditemani oleh murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Serdang Seri Kembangan Selangor. Ini kira murid-murid kesayangan Cikgu Husna lah ni. Anak murid saya lah. Okey, baiklah. Kita nak berkenalan terlebih dahulu bersama dengan murid-murid kita. Yang pertamanya, bonjour Noalia. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Assalamualaikum. Bonjour, je m'appelle Alia Farhana. Je suis élève à SMK Sri Serdang et vous pouvez m'appeler Alia. Merci. Baik, merci Alia. Merci. Yang keduanya kita ada
Nur Ain Batrisha. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Nur Ain Batrisha. Je suis élève à SMK Sucedam. Vous pouvez m'appeler Ain. Merci Ain. Terima kasih Ain. Dan seterusnya kita ada Aisyah. Aisyah. Bonjour, je m'appelle Aisyah. Je suis élève à SMK Sucedam. Vous pouvez m'appeler Aisyah. Dan, Aisyah. Merci Aisyah. Kita ada seterusnya Wan Dania. Wan Dania. Bonjour. Je m'appelle Wan Dania Safia. Je suis élève à SMK Sucedam. Vous pouvez m'appeler Dania. Merci. Merci Dania. Yang seterusnya kita ada Aisyah. Aisyah Akila. Silakan. Bonjour, je m'appelle Aisyah Akila. Je suis élève à SMK Sri Sedang. Vous pouvez m'appeler Akila. Baik, merci Akila. Akila. Dan yang terakhir kita ada Nur Sarah. Bonjour, je m'appelle Nur Sarah. Je suis élève à SMK Sri Sedang. Vous pouvez m'appeler Sarah. D'accord. Okey, terima kasih. Très bien. Kita ada keenam-enam murid yang dah bersedia sebenarnya untuk meneruskan pembelajaran kita dan memahirkan diri dalam bahasa Perancis. Tapi tadi kita dah tahu tajuknya. Kalau boleh, Madam Husna dan juga Mercy Hafiz, kita nak berehat sekejap. Sekembalinya nanti kita akan mulakan kelas bahasa Perancis kita di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM Didik TV KPM. Baiklah murid-murid, kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Pastinya untuk satu jam ini kita akan memahirkan diri kita dalam bahasa Perancis. Le Souci et Mamazon. Topik hari ini adalah tentang rumah saya. Terus kita nak bawakan bersama dengan Monsieur Hafiz untuk mengetahui bahagian-bahagian yang ada dalam rumah. Silakan Monsieur. Merci Azrina. Ok, bonjour. Tout d'abord, aujourd'hui, on va apprendre sur les pièces d'une maison. Ok, d'accord. Voilà un exemple d'une maison. Ok. Peut-être Madame Ousna peut ajouter. Ah, d'accord. Donc, en Malaisie, normalement, nous avons une maison, les maisons et aussi les appartements. C'est normalement on peut trouver ça en Malaisie. Kalau dekat Malaysia kita punya kediaman biasanya rumah ataupun apartment. Okay. Kalau dekat Perancis dia orang boleh beli istana, istana cici dia boleh beli, dia minta tinggal di istana. Okey. Oui, oui madame. Merci. Voilà, on peut voir ici une maison c'est assez agréable. Okey. Alors, maintenant on voit la première pièce, c'est un salon. Qu'est-ce qu'on fait dans un salon? Qui veut répondre? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, monsieur. Ah oui, Alia. Alia, c'est le cas. Alia. On regarde la télé dans le salon, monsieur. Oui, très bien. Bravo. Bravo. Donc, on regarde la télé dans une maison, dans le salon. Donc ensuite, la salle à manger. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Normalement, on fait quoi dans la salle à manger? Qui peut répondre? Moi, monsieur. Ah oui? C'est Aïm? On mange, monsieur. Ah oui, on mange dans une salle à manger. Très bien. Ensuite, la cuisine.
Qu'est-ce qu'on fait dans la cuisine? Qu'est-ce qu'on fait? On fait la soupe. Ok. Ah. On fait le repas. Comment? Tu peux répéter? Tu peux répéter? Boleh ulang sekali lagi, Alia, Aisyah. On prépare les repas. Ah, ah oui, très bien. On prépare les repas dans une cuisine. D'accord. Ensuite, la chambre. Qu'est-ce qu'on fait dans la chambre? Moi, monsieur. Qui? Moi, monsieur. Ah oui, Wandania. Wandania. Vas-y. On dort dans une chambre, monsieur. Comment? Tu peux répéter, s'il te plaît? On dort dans une chambre, monsieur. Oui, on dort. Dormir dans une chambre. Okay. D'accord. Ensuite, les toilettes. Les toilettes. Qu'est-ce qu'on fait dans les toilettes? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça va déjà. Tu peux répondre, les toilettes? Qui peut répondre? Les toilettes. Sarah, tu peux répondre? Ça va? Les toilettes? Les toilettes, Sarah? Qu'est-ce qu'on fait dans les toilettes? Peut-être Akila. Akila, on prend une douche. On prend une douche dans les toilettes. Sarah, tu peux répondre? Non? D'accord, c'est bon. Donc normalement, dans les toilettes, normalement c'est un secret, hein? on peut pas dire qu'est-ce qu'on fait dans les toilettes. Donc... Okay. On prend une ensuite, douche. Ensuite, Madame Mousnap. Ah, ceci. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ici, Rina? Yeah. Est-ce que vous pouvez regarder dans la photo et qu'est-ce qu'on fait ici? Comment s'appelle la pièce? Apa nama tempat ni, Rina? Saya cuba, cikgu. Ah, tadi dah sebut dah satu. La chambre. La chambre. Ah oui, bravo. Oui, bravo. Très bien. Merci. Très bien. Ok, d'accord. Donc, c'est la chambre. Peut-être la deuxième chambre. D'accord. Et enfin, finalement, la salle de bain. La salle de bain. La salle de bain. Peut-être, Sarah, tu peux répondre? On prend la douche. Dans la salle de bain aussi. Voilà, on prend une douche parce que quand kita tengok dekat sini ada shower. Donc la différence entre les toilettes et la salle de bain adalah shower itu sendiri. OK? Donc on peut pas prendre une douche dans les toilettes. On prend une douche dans la salle de bain. La salle de bain. La salle de bain. La salle de bain. Nasal, okay. Bunyi dekat sini. Okey, di hidung. La salle de bain. La salle très de bien. Bain. 5 étoiles pour tous les élèves. D'accord. 5 bintang. Très bien. Bravo. Okey. Yang seterusnya, madam. Okey. Ensuite, on va regarder sur comment on peut localiser dans l'espace. Okay. Moi, j'ai un ballon avec moi et aussi une boîte. Je vais vous expliquer avec ces deux objets. Et je voudrais demander à Monsieur Hafiz pour m'aider. Lui, il va dessiner sur le tableau et écrire ce que je dis. OK, on va commencer d'abord avec ceci. Je mets ça. OK. Saya letak bola ni di atas sini. Donc, ici on dit sur. Sur. Rina, boleh ulang tak? Sur. Sur. Dia R tu bunyi R. Sur. Okey, sur maksud dia di atas. Okey, sur di atas. Ensuite. Voilà. Kita letak kat dalam. Okey, dalam. Membawa maksud dong. Dong. Don. Pour répéter, don. Don. OK, les élèves, don. Don. Ah. OK. Don. Don. OK. Ensuite, on va faire
je vais mettre ici. Et ha, macam mana kita nak kata ni? Ha, okay? C'est sous. 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 Ok, sous. Les élèves, est-ce que vous pouvez répéter? Les élèves? Sous. 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 Très bien. Ok, il y a une différence. Sous. Sous avec un R. Sous. Sous. Ah. Sous. Sous ni di atas bunyi dia ada R. Oh, macam bunyi R di sini, mm-hmm. ditekak. Di sini dia bunyi su, bunyi dia bunyi ada ujung macam u saja terbuka. Okey. Ah, su. Ada beza ya, madam. Suh dan su. Ah. Right. Selalu student confuse di situ. Dia right. dia keliru. Okey. Right. Dan seterusnya, sweet repeat class. Akote. 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 Akote membawa maksud di sebelah. Sebelah. Okay. Mm-hmm. Akote. Ah. Ensuite, va regarder. Je vais le mettre ici. Okay. Sekarang ni dia berada di belakang. Belakang. Belakang kita nak cakap apa. Okay. Kita akan kata derrière. Faut répéter. Derrière. 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 Okay. Et ensuite, ah, ni pun sama juga, tapi namanya adalah au-dessous. Au-dessous. Okay? Au-dessous. Maksudnya, cikgu? Au-dessous maksudnya di atas juga. Macam maksudnya kita ada dua. Sur. Sur. Dengan au-dessous. Sur dengan au-dessous. Okay. Dan ensuite, je vais placer ce ballon ici. Ok? Je vais placer le ballon ici. So, sekarang ni, entre. Entre. Ok, répétez classe. Entre. 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 Bravo, entre. Ok? Sekarang ni, dia berada di antara sini. Dia akan, dia adalah entre. Ok? Donc, maintenant, je vais vous poser des questions. Ok, je vais vous poser des questions. Je vais placer le ballon et vous me dites où est le ballon. Ok, je vais placer ce ballon. D'abord, je vais placer ce ballon ici. Alors, comment s'appelle la localisation de ce ballon? Okay. Madame. Oui? C'est qui? C'est sur la boîte. Sourd, ok, d'accord, très bien. Très bien, Aisha. Ok, bravo, Aisha. Et ensuite, saya nak tanya Rena. Boleh, cikgu. Ok, kalau yang di sini, kita nak kata apa? Dong. 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 Ok. Ok. Ensuite, kalau si je mets là, ok. Ha. Les élèves. Comment on dit ça? Siapa nak jawab? Okay. Comment on dit ça? La position. Ha. Apakah posisinya? Sarah? Ou bien Akila? Comment? Sous. Sous. Okay. Très bien. Très bien. Sous. Sous. Okay. Et ici? Ici. Dia. Sebelah. Ah. Donc? Bonjour, madame. Oui. C'est à côté de la boîte. À côté de. Bravo, Alia. Très bien. OK. Et finalement, on peut dire, ici, sur. OK. Sur. Et il y a deuxième. Une deuxième appellation pour ça. Kita ada yang kedua. Apa kita boleh kata ni? Sur. Lagi satu. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Oui. Ada sesiapa nak jawab? Sarah. Aha. Boleh cuba. Siapa yang angkat tangan tu? Sarah. Sarah. Okey. Sarah. Alors. Au-dessous. Au-dessous. Okey, très bien. Au-dessous. Okey. Alors, donc, Rina, ici, kalau di belakang ni kita kata apa? Di belakang. Kalau di belakang, derrière.
Derrière. Très bien. Bravo. Merci. Derrière. Sur. Au-dessous. À côté de. Entre. Et après, finalement, sous. Donc, tout ça, vous pouvez regarder sur le tableau. Sous mon tour, vous les tenez de cas tout. Donc, le vocabulaire que vous pouvez apprendre aujourd'hui, c'est sur, dans, sous, à côté de, au-dessous et entre. Voilà. Kalau boleh kita nak buat ulang kaji bersama. Si Hafiz mungkin boleh ulang kembali. Oui. Ça, c'est sûr. Sûr. Ok. Sûr. 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 Dans. 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 Ok. Di dalam. Ok. Ensuite, sous. 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 Di bawah. Ok. Baik. À côté. À côté, c'est-à-dire Hazrina, à côté de Madame Husna. Ok, à côté de. Okay. Mesti ada de ni. À côté de. Okay. Okay. Par exemple, ada barang, objet. Okay, le stylo à côté de leaf sebagai contoh. Okay, au-dessous. Au-dessous. Okay, di atas. Okay. Le ballon. Le ballon. Et au-dessous. Le ballon. De. Non, non, c'est le ballon. La boîte, c'est au-dessous. Le ballon. Voilà. Okay. Entre. Entre. Madame Husna, c'est entre. Entre moi et Hazrina. Entre, voilà. Di tengah-tengah. Okay. Kita boleh juga cakap apa benda ni kepada orang jugalah. Selain daripada objek. Ya? Kedudukan orang juga. Kedudukan. Baik, Madam Husna dan juga Mercy Hafiz, nampaknya kita dah faham dengan sejelasnya berkenaan dengan bahagian-bahagian dalam memezon dan juga tentang kedudukan yang mana telah pun diterangkan secara jelas oleh Madam Husna dan juga Mercy Hafiz. Boleh kalau kita berehat sekejap dan pastinya murid-murid terus setia bersama kami dalam Didik TV KPM selepas ini. Banyak lagi yang akan kita mahirkan diri kita dalam bahasa Perancis. Jangan ke mana-mana. Baiklah, terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Pastinya dalam slot mendengar rendah hari ini, kita memahirkan diri kita dalam bahasa Perancis bersama dengan Madam Husna dan Monsieur Hafiz. Kita nak terus dengan kelas kita. Silakan, Madam. Ya, hari ini kita ada teka-teki. Wow. So, untuk segmen yang seronoknya, kita ada teka-teki. D'accord, donc premièrement, on va deviner les pièces. On va deviner les pièces. Deviner maksudnya teka. Okay? Deviner maksudnya teka. So, deviner les pièces. So, premièrement, yang pertama, kita akan tengok. Okay. Soalannya. Dans cette pièce, il y a un lit. Dans cette pièce, il y a toujours un lit. Okay. Question, ma première question est qu'est-ce que c'est un lit? Qu'est-ce que c'est un lit? Oui, qu'est-ce que c'est un lit? Alors, qu'est-ce que c'est un lit, les élèves? Un lit, toi, peu. Qu'est-ce que c'est un lit? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Qu'est-ce que c'est un lit? Kalau boleh angkat lit tangan. Lit, toi, peu. Madam nak panggil. Siapa, madam? Siapa? Alia Farhana. Alia, boleh jawab? Est-ce que c'est un lit? Un lit est katil. Katil, ok, katil. D'accord. Donc, katil. Donc, katil, donc, dans quelle pièce? Dans le lit et dans cette pièce, il y a toujours un lit. Okay.
Alors, quelle est la réponse? Quelle est la réponse? Oui. Ah. Bilik yang ada katil. Bilik apa? Qui veut répondre? Qui veut répondre? Siapa nak jawab? Boleh, ada siapa murid-murid bantu untuk jawab. Okay. Aisyah? Aisyah. Oui. La chambre. La chambre. La Bravo, chambre. Très bien. La chambre. La chambre. Très bien. Ensuite, deuxième, c'est la chambre. Bravo. Yeah, la chambre. OK. Numéro 2. On prépare les repas dans cette pièce. On prépare les repas dans cette pièce. OK. Préparer les repas. Qu'est-ce que c'est préparer les repas? Qu'est-ce que c'est préparer les repas? Préparer. Moi, madame. Oui. Oui, Wan. C'est makanan. Sediakan makanan. Donc, cette pièce, on prépare les repas. Kita sediakan makanan. Alors, comment s'appelle cette pièce? Comment s'appelle cette pièce? Après, la cuisine, madame. La cuisine, bravo. Oui. Très bien. Oui, très bien, Wan. Bravo. Ensuite, voilà, c'est la cuisine. Okay. Numéro 3. On regarde la télé dans cette pièce. On regarde la télé dans cette pièce. Donc, regardez la télé. Qu'est-ce que c'est? Regardez la télé. Qui veut répondre? Qui veut répondre? Oui. C'est qui? Le salon. Le salon, très bien. Donc, on regarde la télé. Donc, on regarde la télé dans cette pièce. Ça veut dire que on regarde. Normalement, on le fait dans le salon. Très bien. Ensuite, on va deviner les objets. Justement, vous avez deviné les pièces d'une maison. Maintenant, vous devez deviner les objets. Voilà, les objets. Vous cherchez les objets. Dans les photos, dans les images. OK. Numéro 1. OK. Yang ni, kita boleh tanya. Hazrina nak jawab pun boleh sekejap lagi. Sebab kita akan gunakan. Kita cakap benda ni ada di tepi, di atas, di bawah. Okay. Nak kena cuba cari benda tu apa. Baik. D'accord. Donc, première question. Je suis sur le bureau à côté de la lampe. Qui suis-je? Ok, je suis sur le bureau à côté de la lampe. Saya berada di mana? À côté de. À côté de? À côté de, di sebelah. Ok, je suis à côté de. Je suis sur le bureau à côté de la lampe. Siapa boleh jawab ni? Qui suis-je? Siapa boleh teka? Siapa boleh teka? Siapa nak cuba? Mua, madam. Oui. Silakan. Livre. Comment? Tu peux répéter, s'il te plaît? Un livre. Très bien. Donc, je suis sur le bureau di atas meja, à côté de la lampe, bersebelahan dengan lampu. OK. Ensuite, deuxième question. C'est un livre. Tadi jawapan yang tadi, un livre. OK. Ensuite, question, je suis sur le lit. OK, lit, awak dah tahu apa? Je suis sur le lit et devant le t-shirt. Qui suis-je? Qui suis-je? Ada murid-murid yang nak cuba. Sur le lit, devant le t-shirt. Le t-shirt. Qui suis-je? Sur apa tadi? Di atas. Di atas. Lepas tu, sur di atas apa? Li. Lepas tu dia, qu'est-ce que c'est? Je suis sur le lit et devant le t-shirt. Alors, qui veut répondre? Devant. Volontaire? Est-ce qu'il y a des volontaires? Oui. Un ordinateur. Un ordinateur. Très bien. Très bien. Bravo. Voilà, monsieur Office. OK, ça, c'est un ordinateur. OK? Ordinateur. Voilà. Alors, est-ce que monsieur Hafiz peut lire la question pour nous? Et ensuite, je suis grande. OK, grande. Ça. Je suis entre le bureau et le lit.
Okey. Entre. Okey, di tengah-tengah. Uh-huh. Okey, le bureau. Bureau apa? Bureau. Meja, meja uh-huh. untuk kita travail, uh-huh. untuk kita buat kerja. Uh-huh. Okey, et le lit. So saya adalah besar, saya di tengah-tengah. Hmm. Ensuite, voilà, c'est ça. Okay, je suis grande, je suis entre le bureau et le lit. Qui suis-je? Alors, qui veut répondre? Moi, monsieur. Oui. Oui, c'est qui? Ok, Sarah. C'est le can Sarah. Uh-huh. C'est quoi? Une commode. Une commode. Une commode. Une commode. Très bien. Très bien. Voilà, une commode. Ok. Et ensuite? La suite. Ah, monsieur Office, encore, s'il vous plaît. Je suis derrière l'ordinateur. Uh-huh. Ok, et sur le lit. Derrière. Qui suis-je? Derrière, t'as dit un peu. Derrière. Derrière. Oui. Derrière des placards. Des placards. Voilà. Ok. Ok, peut-être Azrina voulait chouber. Ah, ok. Je suis derrière. Mm-hmm. Ok, derrière peu. Derrière placard. Ok, derrière l'ordinateur et sur le lit. Sur. Sur le lit. Atas katil. Placard, laptop. Voilà. Derrière le lit. Un t-shirt. Un t-shirt. Ah oui. Ok. Sebutannya un t-shirt. T-shirt. Betul ke? Betul. Wow. Un t-shirt. Très bien. Très bien. Merci. Ok. Ok, yang seterusnya, madam. Ok, la suite. Last sekali. Ok. Voilà. Voilà. Ok, c'est tout. Bon. Mm-hmm. Donc, alors, chers élèves. Mm-hmm. Ok. Est-ce que vous pouvez parler de chez vous? Mm-hmm. Ok, est-ce que vous pouvez parler de chez vous? Par exemple, ada berapa bilik awak punya rumah? Ada berapa toilet dan sebagainya? Peut-être Dania peut commencer? Wan Dania? Wan Dania? Moi, mon chez. Oui. J'habite dans une maison. Il y a trois chambres, deux toilettes, un bureau, une cuisine et un salon. J'ai ma maison. Très bien, Wandania. Qui peut expliquer au Malais? Au Malais, qui peut expliquer ce qu'il raconte? Qui? Aïcha? Moi. D'accord. Dania, pasteur. Je tinggal dalam rumah yang cuma ada 3 bilik, 2 toilet, 1 ofis, 1 dapur, dan 1 ruang tamu. Dia kita terlalu. Ok, very good. Très bien. Et toi, Aïcha? Est-ce que tu peux parler de chez toi? J'habite dans une maison. Ok. Il y a 4 chambres, 3 toilettes, une cuisine, une salle à manger et une terrasse. J'adore ma maison. Ok. Très bien. Merci. 5 étoiles pour vous. Ok, Aïn. Ok, monsieur panggil Aïn là. Tu peux parler de chez toi, s'il te plaît, Aïn? Oui, bonjour. Aisyah kata, saya tinggal di sebuah rumah terdapat 4 bilik tidur, 3 tandas, dapur, ruang makan dan balkoni. Saya suka rumah saya. Très bien. Boleh awak teruskan votre chez toi? J'habite dans un appartement. Il y a 3 chambres, un salon, une cuisine, un bureau et 3 toilettes. J'ai mon appartement. D'accord. Qui peut expliquer au Malais apa yang Ain katakan tadi? Moi. Oui. Aisha? Ain kata Akila, dia tinggal dekat apartment. Okey. Apartment dia ada 3 bilik, 1 ruang tamu, 1 dapur, 1 pejabat, 1 tandas. Dia suka apartment dia. Ok, à ton tour, Akila. Est-ce que tu peux raconter un petit peu, peut-être, ta maison ou ton appartement, peut-être? J'habite dans une maison. Il y a 3 chambres, 3 toilettes, une cuisine, un salon. J'adore ma maison.
D'accord, merci Akila. Donc maintenant, c'est le tour de Alia. Est-ce que tu peux traduire en malais? Oui monsieur. Akila cakap, Akila tinggal dalam rumah. Okay. Rumah Akila ada 4 bilik, 4 bilik air. Eh salah, 4 bilik tidur, 3 tandas, 1 dapur, 1 ruang makan dan Akila sayang rumah dia. D'accord, merci. Finalement, Sarah, est-ce que tu peux partager avec nous, Sarah? Silakan, Sarah. J'habite dans une maison. Il y a 4 chambres, 3 toilettes, un salon et une cuisine. J'aime ma maison. D'accord, merci. Ici, on peut voir tous les élèves peuvent parler de chez eux. Ok. Contohnya, tadi ada yang cakap rumah dia ada 3 bilik, ada yang ada 2 bilik, okay, ada yang ada office, bureau, okay, ada juga yang kata ada 3 toilet, iaitu 3 toilet. Okay, ada juga yang tinggal di dalam apartment. Dan juga ada juga yang tinggal di dalam maison. Okay. D'accord. Baik. Madam, mungkin boleh kita buat ulang kaji sikit berdasarkan apa yang diterangkan melalui skrin tadi sebelum kita nak berehat sekejap. Boleh? D'accord. Donc, ce que vous avez fait justement, c'est... par exemple, ici, vous avez déjà regardé sur comment localiser dans l'espace. Comment localiser dans l'espace. Par exemple, ici, je suis derrière. Ça dit belakang. Belakang dit belakang. Derrière, belakang. L'ordinateur, maksudnya. Ordinateur tu adalah komputer. Je suis derrière l'ordinateur. Maksudnya di belakang komputer. Et sur le lit. Dan di atas katil. So, maksudnya... hari ini kalau macam kita suruh dia cari barang, dia dah boleh faham, dia tengok dan dia boleh faham arahan. Dia boleh faham arahan. Kita bagi dia okay, di depan, di belakang. Okay, so maksudnya yang tu yang sepatutnya mereka dapat. And then macam yang Cikgu Hafiz punya aktiviti tadi, sepatutnya mereka dah boleh faham, dengar dan faham. Yang ni kita panggil comprehension oral. Comprehension oral maksudnya kefahaman dia dari segi lisan. Dia dengar dan dia boleh explain balik apa yang kawan dia cakap. So itu apa yang sepatutnya mereka dapat hari ini. Baiklah. Dan mereka menjawab dengan bagus. Wow, tahniah. Dan pasti ini pembelajaran yang menyeronokkan. Bukan saja kita mengetahui bagaimana sebenarnya kedudukan bahagian dalam rumah, kedudukan-kedudukan tertentu sama ada di atas, di bawah, di depan dan belakang. Tetapi murid-murid yang ada pada hari ini dapat menjelaskan sebaiknya, bukan saja menceritakan tentang rumah mereka, tetapi juga mendengar perbualan daripada rakan-rakan kemudian menghuraikannya untuk pemahaman yang lebih jelas. Tahniah ya murid-murid. Okey, Madam dan Monsieur, kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini bersama kami dalam Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid, kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM yang pastinya kita dah berada di segmen yang terakhir. Jadi untuk segmen ini pastinya kita nak mengingatkan kembali tentang pembelajaran pada hari ini dan nak menguji murid-murid sama ada mereka benar-benar faham dan ingat tentang pembelajaran hari ini ataupun tidak. Betul tak, Madam? Ya. Yeah, okey, apakah aktiviti seterusnya, Madam? Alors donc, last week, aktivitinya simple sahaja. Orang kata aktiviti happy-happy, suka-suka. Alors,
Donc, vous avez regardé l'image, les images, ok, nommer les images et après associer les meubles et les pièces d'une maison. Maksudnya, dia kena bagi tahu dulu benda tu nama dia apa. Okey. Lepas tu, dia kena bagi tahu biasanya objek ini berada di bilik apa. Di ruang yang mana? Di ruangan mana. Baiklah. Donc, les meubles avec quelle pièce? Mari kita saksikan. Okey. Alors, Monsieur Hafiz. Oui, d'accord. Donc, on fait une petite révision. C'est okay. Qu'est-ce que c'est? C'est à quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un volontaire? Volontaire. Siapa nak cuba? Antara enam murid ni. Qu'est-ce que c'est? Okey, qui? Silakan. Siapa yang kata Aisyah, oui, Aisyah. Tu? Yang kat tangan tu. Aisyah. Okay. Silakan. Allô, qu'est-ce que c'est Aisyah? Allô. Oui, très bien. C'est un lit. C'est Aisha. Un lit. Aisyah. Okay, dekat mana kita boleh jumpa katil? La chambre. Comment? Dans quoi? Je peux répéter? Boleh ulang sekali lagi? Dans la chambre. Oui, donc, un lit, on peut trouver dans la chambre. Okay. D'accord, très bien. 5 étoiles pour Aisyah. Ensuite, yang seterusnya. Seterusnya. Apa tu? C'est quoi? Setiap hari kita akan lakukan aktiviti ini, murid-murid. Siapa nak jawab selain Aisyah? Boleh angkat tangan? Monsieur. Oui, siapa Sarah, tu? Très bien. Oui, Sarah. Sarah, teruskan. C'est une douche. C'est une douche. Très bien. Donc, on peut trouver où? La douche. La douche. Dans la salle de bain. Comment? Dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Est-ce qu'on peut trouver dans les toilettes la douche? Sarah? Oui ou non, Sarah? Oui ou non? Non. Oui, très bien. Donc, dekat toilet tak ada, eh? Tak ada shower. Hanya ada di ruangan mandi lah, bilik mandi. Okey, dalam kalau dalam bahasa Inggeris tu dia perbezaan di antara bathroom dengan toilet ataupun WC lah kita panggil. Okey. Ensuite. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Cantik warnanya, madam. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Ada sesiapa boleh? Oui, qui? Ain. 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 Teruskan, Ain. C'est refrigérateur. Oui, refrigérateur. Ok, d'accord, très bien. Ou peut-être un frigo, on peut dire aussi comme ça. Ok. So, dekat mana kita boleh jumpa? Dans la cuisine. Dans la cuisine. Ok, très bien. Donc, normalement, bila kita lapar, kita boleh buka lah frigo. Bila kita haus. Haus juga. Ya, Monsieur? Oui, très bien. Ensuite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qui veut répondre? Moi, Monsieur. Oui, Alia. Teruskan. La télévision. La télévision. La télévision, très bien. Ok, la télévision. On peut trouver où la télévision, normalement? Dans le salon. Dans le salon, ok? Dans le salon, il y a la télévision. Peut-être une télévision, ok? Seterusnya. Ok, itu sahaja. Baiklah, nampaknya kita dah lihat kebolehan murid-murid kita dalam topik hari ini, Memezon. Bagaimana mereka dapat menjawab dengan baik soalan yang dikemukakan oleh Mesti Hafiz dan juga Madam Husna. Tapi sebelum kita berakhir, kita nak dengarkan juga sedikit kesimpulan daripada Madam dan juga Mesti. Silakan. Pour aujourd'hui, pour la conclusion, sebagai kesimpulan hari ini, kita dah belajar mengenai bahagian-bahagian dalam rumah. Donc aujourd'hui, on a déjà appris sur les pièces.
dans une maison, bahagian-bahagian dalam rumah. Kalau ingat balik, ada apa yang... Kalau Rina, Rina ingat apa? Saya ingat la chambre. La chambre. La salon. Okey. D'accord. Donc, kita belajar nama-nama bahagian dalam rumah. Dan yang kedua, kita belajar kedudukan. Yeah. Okey, kedudukan macam mana kita nak cakap. Di atas, di bawah, di tepi, di antara. Yeah. Kalau yang tu di atas tadi nak cakap macam mana? Yang mana kedudukan yang ingat bunyi dia? Suh. Suh. Voilà, très bien. Cepat anak murid ni belajar ni. Alhamdulillah. Ha. Boleh bagi A dah kita ni. Ha. Wah, menarik tu cikgu. Okey. Dan nak menceritakan pasal nilai murni, kita bagi kepada cikgu Hafiz. Silakan, okay. Mesti Hafiz. So, nilai murni yang kita dapat pada hari ini adalah, okay, pada hari ini kita perlulah bertanggungjawablah dengan benda-benda di sekeliling kita. Okey, macam tadi pun kita lihat les élèves, okey, mendapat objektif pembelajaran pada hari ini, iaitu les élèves peuvent, okey, peuvent nommer correctement les pièces d'une maison, et aussi les élèves peuvent, okey, localiser correctement, okey, les objets. Okey, dia boleh tahu kedudukan di belakang mana, di atas mana. Okey, PS ni nama dia apa dan sebagainya. Okey, baiklah. Dan bagaimana sebenarnya kalau murid-murid ingin membuat ulang kaji semula, di mana mereka boleh mendapat bahan-bahan pengajaran ini, Madam? Okey, untuk bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran ini, guru-guru atau murid boleh muat turun daripada sumberku. Sumberku di dalam portal Delima. So, jadi semua-semua ada di dalam bahagian sumberku. Baiklah. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Madam Husna Rahmat dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sedang Seri Kembangan Selangor. Bersama kita juga Mesir Muhammad Hafiz Lutfi Amir dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dengkil Selangor. Juga kepada keenam murid-murid cemerlang kita pada hari ini. Boleh lambai sikit. Lambai adik-adik, sikit. Terima kasih. Kita ada adik Alia, adik Nur Ain Batrisha, Aisyah Wandania, Aisyah Akila dan Nur Sarah. Terima kasih di atas respon anda yang sangat hebat terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan murid-murid di rumah juga mendapat informasi dan juga input yang sangat baik dalam pembelajaran bahasa Perancis dalam slot menengah rendah untuk hari ini. Sehingga jumpa lagi, saya Hazrina Kasim. Bye. Assalamualaikum. Au revoir. Au revoir.